Parce que le game qu'elle te donne, ce n'est pas pour aller courir derrière les femmes. Le game qu'elle te donne, c'est pour la compréhension. C'est tout ce que tu dois chercher à l'heure là. Ce n'est pas femme. Ouais les gars, comment vous allez les gars? Les gars, et les gars, est-ce qu'on veut vraiment changer? Question. Parce que, est-ce que vous entendez même ce qu'il dit même? Parce que les questions qui me reviennent là, c'est les questions qu'il y a déjà couvertes en fait. Ouais, c'est la question qui est déjà gérée. Le fait de me dire que non. Oh, vous voulez pas changer. Vous voulez pas changer parce que ça va, ça sert à rien de venir regarder 1000 vidéos. Ça sert à rien de lire 10, 15 livres, 20 livres, 25 livres aussi si tu n'appliques pas ce qui a été dit dedans. Les gars, laissons affaire des femmes là. Parce que le game qu'elle te donne, c'est pas pour aller courir derrière les femmes. Le game que tu donnes, c'est pour la compréhension. C'est tout ce que tu dois chercher à l'heure là. C'est pas femme. Ce que tu dois chercher à l'heure là, c'est ton succès. Ce que tu dois chercher à l'heure, c'est de mettre ta vie en ordre. C'est ce que tu dois faire. Mais il y a l'impression que les gars ne veulent pas comprendre ça. Les gars veulent juste que leur donne des formules magiques. Il n'y a aucune formule magique. Si tu veux, il faut comprendre le game. Il faut regarder toutes les vidéos. Il faut faire tout ce que tu veux. Tant que tu ne fais pas le travail sur toi, tu vas connaître le game là. Tu vas pas pouvoir appliquer sur, tu vas pouvoir appliquer ça sur aucune go. Parce qu'aucune go ne va te regarder. Merci beaucoup. Tu dégages rien. On ne veut pas travailler. Non, moi, j'ai remarqué qu'on ne veut pas travailler. Les gars veulent venir regarder les vidéos. Ah, nos limites sont là. Regardons les vidéos. Commentons. Arrêtez de commenter si vous ne faites pas les vidéos. Si vous ne faites pas ce que je dis. Arrêtez de commenter si vous ne faites pas ce que je dis. Parce que je ne sais pas c'est quel moment vous attendez. Il y a un gars qui travaille, je lui dis, depuis frère, achète le livre, achète le livre, achète le livre. Ça fait près de 2 semaines, on s'en va dans 1 mois. Bro n'a pas encore acheté mon livre. Bro n'a pas encore acheté le livre. Bro n'a pas encore commencé à faire un business plan pour commencer à travailler sur son business. Pour commencer à prévoir le business qu'il veut faire. Non, bro veut juste me parler. Bro veut juste m'appeler pour me raconter sa vie. Bro, tu veux pas changer. Claire. Bro, tu veux pas changer. Bon, tu as écouté nos limites. Moi, nos limites, la nature féminine m'a rendu nos limites. La nature féminine me fait travailler. L'hypergamie me motive. L'hypergamie me motive à travailler encore, encore, encore. Je suis à la gym. Je travaille sur mon business. Je garde mon argent. Je travaille sur mon business. Je garde mon argent. La nature féminine m'a rendu nos limites. J'ai compris. J'ai appris de ça. Et puis, on commence à travailler. Aucune femme ne peut jouer à moi. Mais non, toi, tu es là, tu es bêta. Tu suis mes vidéos seulement. Toi, tu es là, tu es bêta, la petite te fait chier, tu ne veux pas la laisser partir. Toi, tu es là, tu es bêta, dès qu'elle te fait quelque chose, tu cherches mon numéro. Mais qu'est-ce que tu as, frérot? L'amitié. Frérot, qu'est-ce que tu as? Moi-même, je suis en train de perdre mon respect. Donc là, faut comprendre que là, moi aussi, là, si un homme est en train de perdre du respect pour toi, faut imaginer les femmes. Frère, toi-même, tu ne te respectes pas. Le simple truc que vous demandez, c'est de vous respecter. Quelqu'un qui se respecte, il ne va pas se laisser grossir. Quelqu'un qui se respecte, il ne va pas tolérer les merdes. C'est la même chose que vous répétez H24. Travaillez les gars. Travaillez, arrêtez de chercher des solutions rapides. Tu es une femme ou bien? Non, comment pas. Arrête de pleurer à tout moment. Non, elle m'a fait ci, non, elle m'a fait ça. Non, c'est difficile. Vous pensez que non, c'est facile pour moi. Vous pensez que non. Même parler que vous parlez, c'est pas facile. Claire. Parce que ça me prend de l'énergie. Mais c'est pas pour autant que je ne fais pas. C'est pas pour autant que je ne poursuis pas ma mission. C'est pas parce que quelque chose est difficile qu'on ne fait pas. C'est pas parce que quelque chose est difficile qu'on fait pas. Tout ce qui est difficile apporte de bons bénéfices. Merci, thank you my guy. Il y a le mindset qui est là. Le mindset d'avoir un esprit fixé. Un esprit fixé c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés qui ont du talent. Eux ils sont talentueux. Mais non. Si tu mets ton esprit sur quelque chose, tu peux apprendre. Les gens qui jouent au football, il y a beaucoup qui ont appris à jouer au football. Les gens qui savent piloter un avion, ils ont appris à piloter l'avion. Mais tu as déjà perdu si tu penses que je ne peux pas piloter l'avion. Merci. Parce que la bataille commence dans ta tête.
La bataille commence dans ta tête, frère. Je ne peux rien faire, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas te sauver. Tout ce que je peux faire pour te sauver, c'est te parler. Je ne peux pas prendre ta main pour soulever les poids. Je ne peux pas prendre ton téléphone pour bloquer la petite qui t'emmerde. C'est une décision personnelle. Merci. C'est une décision personnelle. Non, merci. On poursuit les petites. Non, on poursuit les petites. Frérot, ton temps passe. Merci. Frérot, ton temps passe. On est en septembre. L'année est finie. Merci. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Non, il y a une petite qui me plaît. Elle est fin, mais c'est parce qu'elle est trop fin. Tu as combien d'argent dans ton compte? Merci. C'est ce que tu dois te poser comme question. Faut pas venir me fatiguer. Elle est question de petite. Il y en a marre. Merci. Il y en a marre. Merci. Il y a des petits qui m'envoient des messages. Il y a des petits de 17 ans, 20 ans qui m'envoient des messages. Mon vieux, apprendre l'anglais. Mon vieux, apprendre l'anglais. Mon vieux, apprendre l'anglais. C'est les questions que je veux. C'est les questions que je veux. Je veux pas des trucs de elle m'a fait du mal, elle m'a fait du mal. Frérot, toutes les femmes vont te faire du mal tant que tu penses comme ça. Thank you, my c'est pas elle qui t'a fait du mal, c'est toi-même qui t'es fait du mal. Merci beaucoup. Tu t'es fait du mal. Tu t'es fait du mal, puis tu comprends pas que tu dois poursuivre tes objectifs. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Il y a toujours te dit que tu comprends pas, mais en vérité, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu as? Cherche-toi, tu cherches femme. Cherche-toi, tu cherches femme. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce qui est dit là? Ma chaîne n'est pas basée sur les femmes. Ma chaîne est basée sur le développement personnel. Merci. Si tu veux pas me parler de développement personnel là, faut pas venir me fatiguer. Voilà. On finit de faire notre développement personnel et ensuite on parle des femmes. On finit de faire ce qu'on a fait et on dit ah, les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Toi-même, tu es comment? Merci. Toi-même, tu es comment? Question. Tu peux même pas aller à la gym du lundi au vendredi, mais tu dis que non, la petite est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, tu n'es pas digne de son respect. Un homme discipliné, un homme qui n'a pas de discipline, tu n'es pas digne de son respect, frère. Un homme qui ne peut pas la laisser partir, tu n'es pas digne de son respect, frère. Tu n'es pas digne de son respect. Arrêtez de blâmer les gars, blâmez-vous. Je vous dis que chercher femme ne va pas résoudre vos problèmes. Chercher femme ne va pas résoudre vos problèmes, les gars. Ce qui va résoudre ton problème, c'est ton changement profond de mindset. Ton changement profond de mindset, c'est ce qui va résoudre tes problèmes. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Si tu es changé, tu as changé. Personne ne m'a appris tout ce que je sais actuellement. J'ai cherché, cherché, cherché. Fais des nuits blanches. Non, toi, tu ne veux pas faire des nuits blanches. Non, toi, tu ne veux pas faire des nuits blanches. Non, toi, tu ne veux pas jeûner. Pour perdre ton ventre. Non, toi, tu vas pas faire ça. Toi, tu veux que Dev te donne une potion magique et t'as là comme elle et tout va bien. Je sais pas faire ça. Claire, merci. Je sais pas faire ça. Tout ce que tu vis, c'est la conséquence de tes choix passés. Tout ce que tu vis actuellement, c'est la conséquence de tes choix passés. Si tout ce que la petite fait, c'est de te manquer de respect là, c'est que dans le passé, tu as saillé à ses shit tests. Dans le passé, tu as échoué à ses shit tests. La conséquence, c'est que maintenant, elle te manque de respect. Quand tu as commencé à faire des choix différents, tu vas voir que ton futur sera différent. Il n'y a plus rien d'autre à te dire, frère. Si tu ne veux pas changer, c'est ton problème. Merci. Voilà, si vous ne voulez pas changer, c'est votre problème. Voilà, ceux qui veulent changer, il y a longtemps, ils ont commencé à changer. Il y a des gars qui m'ont suivi pendant un mois seulement. Ils ont changé radicalement de mindset. Les gars veulent pas changer. Des grands garçons comme ça, ils ont plus de 25 ans, ils sont là. Ça me fait mal, je n'arrive pas à l'oublier. Toi, tu sais ce que moi, on m'a fait. Et puis, oublié. Parce qu'il y a l'impression que vous pensez que non. Vous avez vécu la pire chose de la terre. Frère, il y a des gens qui ont vécu plus pire que toi. Parce que les histoires que les gars me racontent là, quand je compare à d'autres histoires que certains me racontent même là, ça vaut rien. Il y a des gens qui ont vécu pire que toi. Aujourd'hui, ils se sont levés. Tu ne veux pas te relever, frère. Tu ne veux pas te relever. Tu veux pleurer comme une femme. Comment une femme va te respecter? Un garçon qui est là, il pleure comme elle. Elle ne peut pas te respecter. Claire. Elle ne peut pas te respecter. Payer le simple de venir me dire, je n'arrive pas à l'oublier. Je n'arrive pas. Un garçon, même quand il traverse la douleur, il a faim. Merci beaucoup. Il a faim. Les gars qui ont brisé mon cœur, ils ont fermé ma bouche. Ils ont traversé ça seul. Et puis, je suis venu vous parler aujourd'hui. Qui m'a aidé? Bon, si tu n'étais pas là, tu faisais comment? Voilà, question. Il faut que tu comprennes ça, frère. Il faut que... On est trop grand. On est trop grand pour venir pleurer. Même les enfants de 17 ans, ils ne pleurent pas. On est trop grand, c'est les vieilles personnes de 30 ans, 35 ans qui viennent pleurer juste sur des femmes. Vous ne comprenez pas que les femmes de 30 ans qui vous disent, elles n'ont plus de valeur. Elles ont plus de valeur. On les a mougou toute leur jeunesse.
Si tu ne comprends pas ça, je te dis. Donc, quelque chose qui n'a pas de valeur et puis tu pleures dessus, hein, c'est que toi-même, tu réfléchis comment? Donc, si vous ne voulez pas changer, ne changez pas. Voilà. Voilà. Thank you, my guy. I need to change. Ouais, les gars. Je reçois des messages de personnes me disant « Qu'est-ce que tu utilises pour ta barbe? Qu'est-ce que tu utilises pour ton visage et tout ?» Premièrement, voici ce que j'utilise pour mon visage en fait. C'est très parfait comme savon à base d'ingrédients naturels, d'huile d'argan qui va éliminer toutes les taches, tous les boutons, toutes les taches de cicatrices sur votre visage et même sur votre corps. C'est ce que j'utilise constamment et vous-même, vous pouvez voir comment mon visage est bien propre. Voilà. Deuxièmement, ce que j'utilise encore pour ma barbe, c'est l'huile magique. Comme on appelle chez Weaver Club, c'est l'huile magique. Ça fait pousser la barbe. Pour des personnes qui ont des barbes naissantes, vraiment, avec l'utilisation de cette huile-là, ça va renforcer la pousse de votre barbe et aussi de vos cheveux pour les personnes qui veulent se faire pousser les cheveux. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens bio pour pouvoir passer votre commande. Les prix sont vraiment abordables, les gars. Voilà, donc on est ensemble. Portez-vous bien.